Le scribe accroupi. Qui est ce personnage assis en tailleur? Et pourquoi est-il dans cette position? Cet homme, plus précisément ce scribe, semble imperturbable. Il nous regarde fixement. Sur ses genoux, il tient une feuille sur laquelle les Égyptiens écrivaient des hiéroglyphes. Un petit rouleau de papyrus. Mais avec quoi écrivait-il? Ils écrivaient avec une tige de roseau qui s'appelait calam. Mais au fait, qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe est un champion en écriture, en calcul, droit et médecine. C'était un des rares qui savait lire et écrire, il y a plus de 4000 ans. Et savez-vous que le scribe accroupi que l'on voit ici doit être vraiment important? Pourquoi? Car normalement, seuls les pharaons avaient le droit à une sculpture. Mais lui en a reçu une. Il devait donc être très respecté à cette époque. Et savez-vous aussi que pour le déchiffrer, dessiner et graver des hiéroglyphes, il a dû étudier très certainement plus de 10 ans à l'école des scribes. Mais on dirait qu'il tient un roulé. Mais non, il tient un rouleau de papyrus. Mais alors son papier était russe? Mais non, le papyrus est une feuille à base d'une plante qui s'appelait papyrus. Mais alors, comment s'écrit papyrus? P-A-P-Y-R-U-S. Vraiment très drôle. Même trop. Rendez-vous au prochain épisode des Petits